c'est dur de se sélectionner pour les jeux. Et tu donnes ta vie parce que tu sais que c'est one shot, il n'y aura pas de seconde chance. Tu devras attendre 4 ans pour pouvoir refaire cette compète, donc tu donnes le meilleur de toi-même. Quand on sort de Rio, on se dit bon, les prochains jeux, c'est dans 1200 jours. Maintenant, ils sont comptés et on n'a plus trop le droit à l'erreur. Il va falloir être à fond tout le temps. Les Jeux, c'est dans 6 mois, donc là, il ne reste pas beaucoup de temps et de compétition pour se qualifier, donc c'est le moment de tout donner. Les sélections vont être très difficiles, la course aux Jeux, on est en plein dedans et il n'y a encore rien de fait. Il faut prendre sa place et il faut aller surtout la chercher, quoi. Alors pour l'instant, il n'y a absolument rien qui est fait. Je ne suis absolument pas qualifié. On a 2 tournois de qualification pour pouvoir prétendre à faire les Jeux. Donc on a le premier tournoi en mars, qui sera un tournoi européen, et le tournoi en avril, qui sera le tournoi mondial. Sur ces 2 tournois, il faut faire dans les 2 premiers pour pouvoir aller aux Jeux. Les Jeux, c'est vraiment la compétition auquel il ne faut surtout pas se blesser, pas la louper, et être prêt, parce que c'est unique. Allez, let's go! Sois mobile, Pierre, allez. Exactement. J'ai pas juste envie de participer au jeu, je rêve du podium, mais je sais que c'est possible. Après, c'est à moi à mettre tous les ingrédients pour y arriver le jour J, mais j'y crois. Là, l'objectif, c'est vraiment d'être déjà de se sélectionner, mais en plus d'être performant là-bas. C'est 4 années de travail pour arriver là. Et il faut vraiment tout donner pour pouvoir y aller. Et il faut tout donner pour pouvoir aller au bout aussi. On rêve tous d'aller au jeu, mais les places sont chères, donc on ne sait pas encore qui ira réellement au jeu. C'est comme au foot, les joueurs de foot attendent la Ligue des Champions, c'est le truc ou la Coupe du Monde, bah, nous c'est les Jeux.